Liliana Benico. Je sais, ce n'est pas l'emplacement idéal pour s'approcher de l'Académie des Sith. Nos équipes n'ont pas trouvé mieux que les contrées sauvages inférieures. La République a planifié son invasion dans les moindres détails. Mais on compte sur vous pour lui rendre centuple ce qu'elle nous fait subir. Frayez-vous un chemin à travers la vallée des Seigneurs Noirs et reprenez l'Académie des Sith. Pas de prisonniers. C'était un véritable défi. Message du sergent Tarsten qui est sur place. On dirait que votre arrivée n'est pas passée inaperçue. La République a mis un barrage en place pour vous empêcher d'avancer. Ils ont fait ça à la va-vite, mais le résultat est impressionnant. On a une confiance absolue en vous. Que se passe-t-il cette fois, sergent? Ces apprentis Sith étaient cachés dans une réserve de matériel médical. Ils sont blessés, certains grièvement, mais au moins ils peuvent marcher. Quels sont vos ordres? Peu m'importe que vous soyez armés de vibro-lames, de blasters ou de vos poings nus, vous devrez gagner le droit de vivre. Vous l'avez tous entendu! Montrez-nous de quoi vous êtes capable! Choisissez votre arme! Vous êtes exactement le genre de chef qu'il nous faut. C'est un honneur de travailler avec vous.
voudrais pas être à votre place. Je sais pas ce que je ferais si je trouvais l'académie aux mains de l'adversaire. On a remonté la piste des transmissions cryptées jusqu'aux chambres du Conseil Noir. C'est là que la République a dû établir son quartier général. On croise les doigts pour que vous ne tombiez pas sur un membre du Conseil Noir là-bas. Capturé ou mort, ce serait une terrible humiliation. Ils ont franchi l'entrée principale. Ce n'est plus qu'une question de temps. Préparez-vous. Jedi, vous salissez le Conseil Noir par votre présence. Cet endroit était déjà sale. Mais ne vous inquiétez pas, Sith. Je n'ai pas l'intention de rester. J'ai reçu l'ordre de ne pas vous laisser partir. Du moins, pas vivant. Alors c'est comme ça. Je ne pensais pas remplir mon rôle si tôt. Qu'est-ce que vous racontez? Quel rôle? Nous croyons en une cause qui mérite qu'on la protège, qu'on meure pour elle. Voyons si vous pouvez en dire autant. La Force nous donne la puissance! À l'attaque! Je me bats pour une cause plus grande que moi! L'Académie des Sith, c'est dégoûtant.
Pouvoir me battre. L'Empire ne saura même pas ce qui lui est arrivé. L'Empire ne saura même pas ce qui lui est arrivé. Pouvoir me battre. L'Empire ne saura même pas ce qui lui est arrivé. Vous ne pouvez pas l'empêcher. C'est comme ça. Tout cela est bien réel et vous ne pouvez rien faire pour l'empêcher. Et vous ne pouvez rien y faire. Et voilà, l'Académie des Sith est sécurisée. Je suppose que beau travail est un bel euphémisme. Ce commandant Jedi, il a dit des trucs bizarres. Je suis sûre que Dark Arcus aimerait les entendre. Il a hâte de vous féliciter personnellement. Vous avez vraiment tout donné pour l'Empire. On vous doit beaucoup et on a encore bien des choses à se dire. J'espère bientôt vous revoir. La République a été chassée de l'Académie des Sith, et son commandant Jen Sin est mort. Vous avez servi l'Empire avec puissance et passion. Je vous félicite. Avant de mourir, le commandant Jen Sin a fait un commentaire quant au fait qu'il avait rempli son rôle. Vraiment? On dirait presque que la République a sacrifié toutes ses forces pour soutenir une cause supérieure. Écoutez, je veux être sûr que vous comprenez que ce que vous avez accompli sur Korriban et sur Titon restera longtemps gravé dans les mémoires. Tout le monde repensera à ces jours comme aux événements fondateurs d'une nouvelle ère pour la galaxie. Tous verront ceux qui y ont participé comme ses architectes. Vous croyez que vous pourriez m'épargner vos grands discours? C'est devenu une habitude, j'en ai bien peur. C'est à cause de toutes ces années passées à m'adresser aux personnes facilement influençables et aux imbéciles finis. Vous, bien sûr, n'êtes aucun des deux. Lana et moi avons une dette envers vous, pour les actions exemplaires que vous avez accomplies au nom de l'Empire. Merci. Oui, merci. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir, le plus tôt possible. Gloire à l'Empire! Ici Lana Beniko. Il faut qu'on se voit en privé. Vous êtes peut-être le seul espoir de l'Empire. Je ne pense pas aller à l'encontre de ce qu'on m'a appris. Vous êtes venu. Très bien. Je sais que j'ai été plutôt silencieuse depuis votre succès sur Titon, mais ne prenez pas mes réticences pour de l'indifférence. En vérité, j'ai beaucoup de choses à dire. Maintenant qu'on est seul, on peut avoir une vraie discussion.
Dans ce cas, parlez. Dark Arcus n'a pas été totalement honnête quant aux raisons qui l'ont poussé à envahir le Temple Jedi. Pas même avec moi. Il cherchait un objet très précis, un artefact. Quel genre d'artefact? Un holocron? Un appareil? Une arme ancienne? Plus j'en saurai, mieux je comprendrai les motivations d'Arcus. J'aimerais pouvoir vous le dire. Quoi que ce soit, Dark Arcus était furieux après le Seigneur Go jusqu'à ce qu'il le trouve. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, je ne crois pas que la République ait attaqué Korriban en réponse à l'attaque de Titon. Cette attaque a été lancée pour coïncider avec la nôtre. À l'époque, je n'ai pas compris que la République attaque Korriban alors que l'Empire avait encore le contrôle du Temple Jedi. Et je ne me l'explique toujours pas. Ça n'a pas de sens. Pas de notre point de vue actuel. Mais il y a peut-être un contexte plus vaste qui pourrait expliquer les derniers événements. Je ressens quelque chose dans la Force que je n'avais jamais ressenti auparavant. Quelque chose qui n'existe nulle part et partout à la fois. Qui se débat, qui grossit. Je devrais le sentir, moi aussi. Vous en êtes sûr ? Je pense que je sens cette excroissance parce que je suis d'une certaine façon liée à elle. Peut-être à cause de mon lien avec Dark Arcus. Je crois que l'Empire court un grave danger. J'ai l'habitude d'offrir mes conseils aux autres. Aujourd'hui, j'ai besoin des vôtres, Seigneur Noir. M'aiderez-vous ? Je n'ai pas rejoint le Conseil Noir pour rester les bras croisés pendant que l'Empire s'effondre autour de moi. Je savais que je pouvais compter sur vous. Je l'avais senti. Je verrai si je peux trouver un sens à ce qui s'est passé sur Titon et Korriban et ce que ça signifie. Quoi que je trouve, je vous en ferai part dès que possible. Restez sur vos gardes et que la Force vous accompagne. Thank you.